Ouais, ça va. Aujourd'hui, on fait l'émission Secret Story. Donc, on est 10 dans la maison Secret Story. Donc, je te préviens. Je veux pas que tu trompes ta femme. Je veux que tu ne fasses pas de conneries. Parce que sinon, ça va mal aller. Est-ce que c'est bien clair? Donc, nous avons une pièce pour dire les choses qui ne vont pas, si t'as remarqué un secret, voilà. Parce que c'est Secret Story, nous cachons des secrets. Donc voilà. Donc pas d'embrouille ici. Hein. Ouais, te ferme-la, j'ai été fait prendre ma femme. Toi, c'est toi, tu dis que tu dois pas me tromper, mais j'ai été fait prendre ma femme. Ça, c'est. Je vais te démonter la gueule, je vais te démonter la gueule, je vais aller dans la pièce et je vais aller dire au Secret Story et comme ça, tu gagneras pas les 50 000 euros. Caché. J'espère que ça t'apprendra, sale type. T'as pris. Ça va mal aller. Non mais d'où j'ai pris ta femme? J'ai pas pris ta femme, tu dis n'importe quoi. Toi, va te faire cuire un œuf. Moi j'ai rien pris du tout. Oh là là, et franchement, ça de m'accuser, j'ai rien fait moi. Moi je vais aller moi je vais aller me plaindre dans la boîte de Secret Story, dans la pièce. Je vais aller faire bouh. Et puis comme ça, t'auras pas les 50 000 euros, ça t'apprendra chier. Bon, aujourd'hui, on va manger des nouilles. Des nouilles. On va manger des nouilles avec des insectes pourris qui datent de 1954. Et on va manger des os de poulet. J'espère que ça va te plaire. Hein. Non mais ouais, tu te fous de moi? On va pas manger de cette voilà, on va pas manger ça. Et tu te fous moi de moi? Bon, on va divorcer hein, si ça continue comme ça, on va divorcer parce que là, j'en peux plus de toi hein. Tout moment, ça fait 30 ans que je suis avec toi et voilà hein. Oh là là, à pas manger ça, franchement. Un jour, je te dis pas mais on va mourir si tu continues comme ça. Bonjour Secret Story, je viens me plaindre contre ma femme parce que elle nous fait manger de n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc je voudrais que vous venez la voir parce que là, rien n'est possible. Donc voilà, enfin je veux dire, c'est la catastrophe. J'ai une mauvaise nouvelle et ça te fera du bien. Tu es éliminé de Secret Story. Tu pars demain et tu n'auras point les 50 000 euros. Et pour alimentation, voilà, que tu nous donnes, pourri, voilà, bon, t'as compris quoi, bon, voilà, t'es éliminé, allez, bas. Oh non, t'es sérieux? Mais vraiment, t'es sérieux? Pourquoi tu as fait ça? Bon, bah maintenant, on divorce et là, c'est sûr et certain. Ouais, passe-moi les pommes qu'il y a sur la table, s'il te plaît. Sinon, je te démonte ta gueule. Allez, s'il te plaît. Mais non, je plaisante, mais passe-moi les pommes, s'il te plaît. Ça serait gentil. Non, je ne te passerai point les pommes. Parce que t'as été avec mon mec. Et ça ne se fait point. Et je vais te dénoncer dans la boîte de Secret Story. Non, mais wesh, tu vas me passer les pommes. Eh oh! C'est moi qui commande ici, wesh. Putain. Bonjour, Secret Story. Il faut enlever les 50 000 euros à l'autre parce qu'elle fait sa chef et elle veut pas me. Elle m'écoute pas. Non, voilà, puis. Voilà. Puis elle a. Voilà. Enfin, mon signe, c'est. Voilà. Donc, faut lui enlever les 50 000 euros. Voilà, bref, au revoir. Non mais wesh, c'est pas la chef, hein. Et oh, c'est bon, faut pas se foutre de la terre du monde, hein. Et oh. Et au final, c'est moi qui ai gagné les 50 000 euros. Nananer, c'est moi qui ai gagné les 50 000 euros. Donc les autres, ils vont se faire cuire un œuf. Parce que moi, je suis trop content. Comme ça. Avec les 50 000 euros, je pourrais en fait partir en vacances. Je pourrais m'investir dans mes projets d'avenir. Je vais pouvoir ouvrir une entreprise. Je veux ouvrir une pizzeria.
Je vais faire un nouveau boulot parce que avant j'étais au chômage. Donc voilà, et je vais écrire un livre. Donc voilà, enfin, en tout cas, merci Secret Story de m'avoir donné les 50 000 euros. Bon, bah maintenant, je vais rentrer chez moi parce que cette émission, c'était insupportable. Voilà, merci tout le monde. Merci, merci, merci.